Merci, ma chérie. Yawa? Oui. Yawa? Yawa? Oui. Combien de fois je viens de t'appeler? Ben, je sais plus. Ah bon? Oui. T'es sérieuse là? Pourquoi c'est quand tu vas me dire des bêtises que tu m'appelles comme ça? J'ai essayé d'être gentille. La fille a grandi. Mais si. Combien de fois je dois t'interdire de ne pas suivre les gars de gauche à droite? Vu beaucoup d'expériences que j'ai eues. Attends. Ta jeunesse et ma jeunesse, c'est pas la même chose. Tu as vécu des choses que je n'ai pas vécues. J'ai pas besoin que tu me fasses des sermons concernant ta jeunesse. Je m'en fous. Mais tu m'étouffes là. J'arrive plus à respirer dans cette maison. Oh, motherfuck. Hey, elle a grandi, hein. Waouh. La coba. Mais doucement, tu as quoi? Je suis trop en colère. Colère de quoi? Ma soeur, c'est elle qui vient de m'énerver tout à l'heure. Calme-toi, calme-toi. Comment tu vas? Ça va? Ça va, tu m'as manqué. Je suis manqué. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je te jure, ma soeur, elle vient de m'énerver tout à l'heure. Non, toi aussi. Je suis là, t'énerve pas. Oui, qu'elle veut que notre couple s'arrête. Non, même pas. Qu'on ne sort plus ensemble, c'est ça? Je suis sûr. Te mentir, pourquoi? Tu sais quoi? C'est parce que tu n'as pas l'argent qu'elle fait ça, sérieux. Pardon? Imagine si tu rapportais de l'argent à la maison. Tu penses qu'elle pourrait te dire ça? Explique mieux, je te comprends. Tu m'avais parlé d'une somme qu'elle a gardée chez elle, non? Oui. Tu veux te fructifier ça? Oui. Les 300 000? Sérieux? Ça va devenir combien? On peut voir deux blocs en une semaine. Je suis d'accord. Il me suffit juste d'aller vérifier là où elle cache son argent. Pouf, je pique. Okay. T'inquiète. Je gère ça vite fait, mon chéri. Mouah. Ok, on y va. On y va là. Mais tu as quoi? Tu as les tresses, hein? Oui, vraiment. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est toujours ma petite soeur qui m'emmerde. Quoi, la Yawa? Oui, bien sûr. Elle a encore fait quoi? Elle ne fait que suivre les gars de gauche à droite. C'est pas vrai. Bien sûr. Bon, tu sais, parfois l'adolescent, ça demande ça. Lorsqu'elle va comprendre et tout, elle va se saisir, d'accord? T'inquiète pas. Avec toute l'expérience que moi j'ai eue avec les garçons. Bon, elle peut jamais comprendre, d'accord? Viens, parfait. J'espère que tu n'as pas oublié la somme dont nous avions parlé. Non, bien sûr. C'est pas pour oublié. L'appartement. Oui. Ok, d'accord. Tu me l'envoies quand? La semaine prochaine. Dès que je reviens. C'est pas grave. Oui, bisous. Comment tu vas? Je suis très contente, tu n'imagines pas. J'ai le truc, j'ai l'oiseau dans la cage. Bah oui, touche-toi. C'est bon, allons voir les gars. Je pense que ça c'est mieux. Quoi? Tu viens d'où? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu...
toute seule ici. Je viens par ici, s'il te plaît. Où est l'argent que j'ai mis dans le placard? Hein? L'argent dans le placard? Bien sûr. Je l'ai donné à mon gars. Quoi? Ouais. Je l'ai donné à mon gars. Ton gars? Oui, mais il est où? Mal! Attends, attends. Ah. Mon gars, c'est un homme d'affaires. Attends, je t'explique. C'est un blanchisseur d'argent. Il peut faire, on va devenir des milliardaires. Tu me fais du mal? Montre-moi le gars. C'est un homme d'affaires. Il est trop beau. J'espère que tu vas pas tomber sur son charme. T'es trop violente. C'est lui. Quoi? Attends, quoi? Tu veux dire? Attends. Mais c'est mon gars. Ton gars comment? T'es sérieuse là? Pourquoi tu passes toujours là où je mets les tuyaux? Attends, c'est pas l'heure de se battre, on doit arriver. Ben, attends. J'ai un plan. C'est ton gars? Oui. On y va. D'ailleurs, on l'appelle d'abord. Vite! Comment ça? Ça ne marche non plus. On y va!